vous écouter. Parce que ce qui est important pour un responsable, pour quelqu'un qui veut diriger le Gabon à un certain niveau, c'est d'avoir la capacité d'écoute. Quelqu'un qui n'écoute pas son peuple, il ne peut pas diriger un pays parce qu'il vit dans une bulle et il ne sait pas en réalité qu'est-ce qui se passe. Moi, je suis venu vous voir vis-à-vis. Parce qu'on dit, oh, mais c'est quelqu'un de libre vie. Bon, on essaye toujours de médire. La réalité, ce n'est pas la première fois que je viens. Je suis venu cette fois pour échanger avec vous, pour discuter et avec le vice-président de mon parti qui a parlé tout à l'heure, avec le secrétaire exécutif de mon parti, M. Alain Billier-Biesson, Faustin. Je ne sais pas pourquoi je l'appelle Alain. Alain, c'est un nom. Bon, mais il commence. Voilà, on l'applaudit. C'est Faustin Laurent. Autant c'est mon frère ici, c'est ça. Je suis avec lui tous les jours. Ma langue a fourché. Et là, notre jeune frère également, Alain Michel Mombo. Afia, parce que son père est originaire d'Afia. Donc aujourd'hui, ces jours-ci, on apprend beaucoup de choses sur chacun d'entre nous, parce que la vie est ainsi faite qu'on ne choisit pas d'où on est, on ne choisit pas ses parents. Mais je suis fier